Bonjour et bienvenue sur la chaîne Puissance 221. Avant d'entamer cette vidéo, si tu n'es pas abonné, je t'invite dès maintenant à t'abonner. Et si t'es encore plus sympa pour me soutenir dans cette travail, tu me laisses un pouce bleu, ce sera vraiment sympa. Officiel, la pépite Arda Güler signe au Real Madrid alors qu'il était aussi ciblé par le FC Barcelone. Le jeune turc du Fenerbahçe a finalement opté pour le Real Madrid. Le milieu de 18 ans vient d'être présenté officiellement par les Merengues. Le Real Madrid a gagné la bataille face à son rival de toujours. Depuis quelques mois, le Barça et le Real se disputaient celui qu'on surnomme le nouveau Mesut Özil. Le Real Madrid a gagné la bataille face à son rival de toujours. Depuis quelques mois, le Barça et le Real se disputaient celui qu'on surnomme le nouveau Mesut Özil. Mais aujourd'hui cette bataille prend fin puisque la Casablanca vient d'officialiser l'arrivée d'Arda Güler dans l'équipe de Carlo Ancelotti. Dans le communiqué officiel, les Merengues annoncent que la présentation d'Arda Güler en tant que nouveau joueur du Real Madrid aura lieu demain, vendredi 7 juillet, à midi à la Ciudad Real Madrid. À 18 ans, le jeune prodige turc est considéré comme l'un des meilleurs espoirs du pays. Il sort d'une bonne saison avec le Fenerbahçe, où il a inscrit 6 buts et délivré 6 passes décisives en 35 matchs. Dans cette opération, le Real Madrid a versé 20 millions d'euros plus bonus au club turc. Une clause de 20% à la revente est également présente dans le deal. L'international turc s'est engagé pour une durée de 6 ans avec les Merengues, soit un contrat qui durera jusqu'en 2029. C'est la cinquième recrue estivale du Real Madrid, après les arrivées de Fran Garcia, Brahim Diaz, Bellingham et Joselu. Un vent de jeunesse qui viendra entamer un nouveau cycle dans l'un des plus grands clubs du monde.